Donc là où nous sommes, nous assistons à la venue des forces de l'ordre. Avec assisté Mounaoué et sur la soupe qu'à votre qui rôle pour qu'il y ait sécurisé parce que quand on parti d'Obek a essayé qu'à comment dirais-je, acheter de conscience qu'il y ait bureau de vote dans là. Donc beaucoup de militants donné qu'on a, mais d'Obek a fort qu'à Mouroïra qu'à pouvoir voter à la partie de. Donc bureau de vote est dans là. Est-ce c'est la normale? Donc d'Oye et forces de l'ordre Mouroïra qui sont venus quand même. Mais on y avait Mouna. Voilà. Il a continué avec les dames. Arrivé, c'est Diallo au niveau là. Faut pas finir. Arrivé au niveau des. D'accord, ne bamé ça nous bureau de vote dans là. Donc, à nous faire un coronavirus, bien non. Dans la dernière là, il y a non, je vois aucune mesure sanitaire prise. MC Gadofayaka. Bon, vraiment, je suis très heureux de vous parler. 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 Je bon, bien nous faisons tant de cérébral maintenant. Donc, à quoi le côté non? Parce que amancé en fait, on va devenir américain bien, non mais amancé en fait en fait. Ah ouais. Donc, mais est-ce que bon après, on va faire une bonne frage? Bon après, bien après, une bonne frage. Na mesure nous nous retarder, car d'ambel a géré ni. Mais na du air ni abal était sur le terrain. Est-ce qu'il y a abe fait naya non? Aïe, fait un fouet naya non. Oui, naya non, oté au noé. Voilà, oye gouvernement qui a fait naya parce que ma couple prévoit. Na tu na na vraiment, car di bé, santé car di bé de. Ouais, tu sais car santé sur le fouet, tu sais car sur santé car di bé de. Donc ami faut qu'il voie les mandats. Merci. Jamduba, c'est ça quoi? Ah ouais, c'est ça. Le Mali Djigui. Ok, bon, moi je dirais que le scrutin ça se passe normalement. Vous avez Adama Sidibé, le secrétaire administratif de la section CODEM de Kenyeba. Pour ce qui concerne le scrutin d'aujourd'hui, vraiment moi je dis que tout se passe très bien. Les bureaux ont été ouverts à l'heure convenue et vraiment les électeurs commencent à venir avec une grande affluence. Et vraiment, je pense que tout se passe bien et sur ce rythme-là, nous pourrons dire que vraiment le scrutin sera un scrutin crédible, fiable et vraiment, moi je le retache quand il sera là. Et vraiment, nous vous remercions beaucoup et nous exhortons toujours vraiment davantage les électeurs qui n'ont pas pu faire le déplacement de venir avant, au moins c'est quand même l'heure convenue pour la fermeture, pour venir vraiment exercer leur devoir civique. Merci monsieur. Comme dans certains bureaux de vote, on a décelé des tensions. Est-ce qu'ici il y a eu des tensions? Non, pour le moment il n'y a pas eu de tensions. Je suis en train de faire le tour de tous les bureaux de vote. Je viens de quitter au niveau de l'élevage, au niveau du jardin d'enfants, la fille à Bougou, le lycée. Je pense que tout se passe très bien. Je n'ai pas quand même vraiment décelé une quelconque tension entre qui que ce soit ou entre deux parties, non, pour le moment. Merci. Merci. Ah ouais, merci. Ne toko Mamadou Ba, ne URP ka délégué do Kenyeba bureau de vote là. Donc nana pour que ka laje ni s'il y a pas de ni fraude à wone fangate, mais j'ai constaté que mo robe kana fana kana voter régulièrement et puis en même temps à service sanitaire c'est à ga respecter fana quoi. Donc anemo nemé anoumani fouyé folo pour l'instant. Et vous voyez normal là, vous voyez que vous respectez, procédure respectée comme il faut.
ko jama fana se ka fara ñoko kan ka te passé fana quoi moko ko numi kana kan voter depuis vote d'amener na quoi faut 600 quoi d'accord Non, bon, pour l'instant, il faut se remarquer la folle. Après, c'est normal. On est dans le bureau, et puis, on est dans le bureau, on n'a pas constaté de fraude d'abord. Ok, merci beaucoup. Je suis un peu plus de temps. Selon toi, est-ce que les mesures sanitaires sont respectées? Vraiment, c'est bien respecté. Parce que nous, on a même beaucoup de cas à faire avec ta. On a beaucoup de tiens, nous, on a fait. C'est bien. Oui, merci. D'accord. Merci beaucoup. Mba. Merci. Ouais, on a fait gagner les gars. Et bien, parti du bateau. Bon, on avait RPM, le jour là. RPM. Ah, ok. Mais l'élection du gouvernement qu'on a là, pas de problème sur bon, pour le moment, il n'y a pas eu de problème. Et c'est un peu moyen pour le moment. Donc, mais c'est sanitaire, nous voulons que nous fassions. Est-ce qu'on nous respecte? Ouais, bon. Il ça à respecter, mais on n'a que les gels hydroalcooliques. Mais on y va là, on reste dans le bureau, on trouve là. Un mètre dans le bureau, est-ce qu'il y a un sanitaire? Voilà, c'est pour cela qu'on va des mesures à respecter. Ah, il y a un signal, c'est un président du bureau. Bon, moi personnellement, je n'ai pas signalé ce problème. Mais je crois que ce n'est pas dans mon programme. Quoi. Moi, je suis délégué. Tu es délégué, mais il y a senti qu'il y a délégué à l'école. Oui, oui. Bon, moi, quand même, j'ai mes barrières là, je respecte ça. Je suis au fond de la salle. Ok, mais irrégularité, je suis appelé car tu peux fouiller. Moi, je suis dans le fouiller. Non. Pour le déroulement de l'élection, on n'a pas eu de problème. Ah, ok, merci. Merci. Bonjour. Oui, c'est quel nom? C'est Souleymane Ouattara. Souleymane Ouattara. Oui, oui. Président du bureau. Le président du bureau, oui. Bureau numéro 3. Merci. Monsieur Ouattara, oui. On voudrait vous poser quelques questions sur le programme de coronavirus. Oui. Est-ce que les mesures sont respectées? Bon, ça a été respecté. Oui, oui. Mais à l'heure où nous sommes, c'est-à-dire gel que nous a donné, c'est-à-dire est presque fini, hein, c'est presque fini, ouais, ouais. Sinon, ils ont pris des mesures depuis les jours de la formation des agents électoraux. Bon, maintenant, nous avons été là aujourd'hui, on a édicté ces mesures-là aux électeurs. Et ils ont vraiment suivi les directives. Là où nous sommes, c'est les gels qui sont vraiment en phase de finition, quoi. Ouais, ouais. La distance réglementaire n'est pas respectée. Bon, ça. Bon, c'est ça qu'on a pu vraiment planifier, vu la salle et puis les nombres de bancs dans la salle là. Donc, on a décidé de mettre deux par banc, quoi. Deux personnes par banc, oui. Je pose une question, il n'y a pas eu d'anomalie ici ou de fraude que... Bon, il n'y a pas eu de fraude. Il n'y a pas eu d'anomalie. Mais est-ce que tous les partis sont représentés dans la salle? Non. Tous les partis ne sont pas représentés. Oui. C'est M. Ouattara. Oui, merci. Le Mali Djigui. Oui. Ok, bon, moi je dirais que le scrutin ça se passe normalement. Vous avez Adama Sidibé, le secrétaire administratif de la section Kodem de Kenyeba.
Pour ce qui concerne le scrutin d'aujourd'hui, vraiment, moi, je dis que tout se passe très bien. Les bureaux ont été ouverts à l'heure convenue et vraiment, les électeurs commencent à venir avec une grande affluence. Et vraiment, je pense que tout se passe bien et sur ce rythme-là, nous pourrons dire que vraiment, le scrutin sera un scrutin crédible, fiable. Et vraiment, moi, le résultat compté sera là. Et vraiment, nous vous remercions beaucoup et nous exhortons toujours vraiment davantage les électeurs qui n'ont pas pu faire le déplacement de venir avant, au moins c'est quand même l'heure convenue pour la fermeture, pour venir vraiment exercer leur devoir civique. Merci monsieur. Comme dans certains bureaux de vote, on a décelé des tensions. Est-ce qu'ici il y a eu des tensions? Non, pour le moment il n'y a pas eu de tensions. Je suis en train de faire le tour de tous les bureaux de vote. Je viens de quitter au niveau de l'élevage, au niveau du jardin d'enfants, la fille à Bougou, le lycée. Je pense que tout se passe très bien. Je n'ai pas quand même vraiment décelé une quelconque tension entre qui que ce soit ou entre deux parties, non, pour le moment. Merci. Merci. Ah ouais. Merci.